Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 27 avril 2018 et je salue à nouveau mon poteau Jean-Paul. Tu vois, je me suis pas trompé sur la date. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire qui sont toujours intéressantes, du moins je le suppose. Entre autres, je vous ai parlé hier de l'association de Grégory Eubel enfin, pour attaquer les gens qui nous empoisonnent à travers les chemtrails et à la fois les vaccinations. Et il se trouve que j'ai reçu un message d'une personne qui me suit dans la nuit obscure et qui a été voir cette vidéo faite par ces méchants trolls contre Grégory, donc cette vidéo diffamatoire, et elle m'écrit ceci: je viens d'aller voir la vidéo critiquant l'association Évidence et j'ai voulu mettre mon témoignage, ayant eu il y a 8 ans une expérience désagréable due aux chemtrails dont le ciel était plein 2 jours auparavant. Une épidémie, pardon, de saignements de nez en Bretagne. Eh bien, mon commentaire a été effacé presque aussitôt. Je précise que ni moi ni mon mari n'avions jamais eu le moindre problème de saignement de nez. Alors là, on a une preuve que cette vidéo à charge est diffamatoire, est bel et bien organisée par des voyous et sont certainement au service de l'État ou de grandes entreprises américaines qui nous empoisonnent au quotidien et qui ne supportent pas que d'autres puissent dire la vérité, puisqu'ils effacent les commentaires tout aussitôt, ce qui montre ce qu'ils sont exactement. J'ai reçu encore un autre témoignage d'un ami. Philippe, merci pour cette capsule vidéo. À mon niveau, j'informe mon entourage à propos de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Malheureusement, trop de gens sont dans l'ignorance absolue. Ou d'autres ne veulent pas y croire ou savoir. Quelle triste réalité. Fini de dire que l'on va se promener dans la nature pour prendre un bol d'air, n'est-ce pas? Peut-être en plein milieu de l'océan et encore. Je viens de recevoir le tout dernier livre de Claire Sévérac sur l'alimentation. Vous savez, Claire Sévérac a aussi beaucoup écrit sur les chemtrails. Alors on ne sait pas exactement, mais sa mort a été suspecte malgré tout. Mais moi, je n'ai pas de preuves, même si j'ai écrit un témoignage pour Claire. Sa mort, quand même étrange. Elle a écrit énormément sur les chemtrails. Elle était très très documentée. Il faut savoir qu'elle a vécu aux États-Unis, donc elle était très informée sur le sujet. Paix à son âme, et on y pense, et on pense à sa fille également, Flore, qui discrètement vit sa perte sans faire de vagues, et avec beaucoup de courage. Alors, pouvez-vous me donner le nom de la personne qui a créé l'association? Voilà, sincère salutation, salut Nicolas. Donc, des petits témoignages. Autrement, j'ai dû bloquer un ami que j'avais parce que je bloque pas, c'est ce que je voulais vous expliquer, parce qu'il y en a qui disent bêtement que je supporte pas la contradiction, ce qui est complètement faux. C'est pas la contradiction que je ne supporte pas, c'est l'obscurantisme. C'est pas la même chose. J'ai des amis avec qui on n'est pas d'accord. Par exemple, vous savez bien que j'ai quitté l'UPR, mais j'ai encore des amis à l'UPR, hein. C'est pas parce que eux ils sont à l'UPR que je vais leur dire, ouais, t'es un connard, t'es à l'UPR. Non, ils sont à l'UPR parce qu'ils en ont envie et ça reste mes amis. Je veux dire que c'est pas parce que j'en suis sorti que je vais quitter mes copains. Vous comprenez? Donc ça a rien à voir. Sauf que mon ami Alain, je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il lui a appris. C'est quelqu'un qui supporte pas la contradiction et puis alors, il a essayé de m'imposer sa fausse vérité. Et moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les chemtrails. Donc, je connais très très bien le sujet. Les études scientifiques, je les ai traduites. Enfin bref, je connais ça mieux que lui. Et lui, il veut me faire croire que des chemtrails sont des chemtrails. Et je lui ai dit, bon, arrête, tu m'énerves.
Et ça lui a pas plu, il s'est énervé. Bon, alors, moi, si vous voulez, je peux pas discuter avec des gens qui sont obtus. Ça fonctionne pas comme ça. Soit on partage et on échange, qu'on soit d'accord ou pas, mais si quelqu'un veut me convaincre absolument que lui, il a raison sur un sujet qu'il décide maîtriser et qu'il ne maîtrise pas, ben je crois qu'il n'y a plus de discussion possible. Donc nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et je préfère couper les ponts pour me retrouver avec des gens avec lesquels on peut organiser des discussions, des débats, sans s'énerver, sans avoir besoin de se taper sur la figure. Le dialogue, ça fait partie justement des sociétés africaines, tiens. On a souvent reproché aux Africains de palabrer, mais c'est justement parce qu'ils palabrent qu'ils règlent les problèmes. Et ils les règlent certainement, enfin ils les réglaient dans le temps, certainement mieux que nous avant d'être corrompus par les Blancs. Par les Blancs! Voilà, je vous l'ai dit, sincèrement, nous avons été corrompus car nous étions philosophes bien avant vous. Voilà, présentement, moi-même, je l'ai dit. Alors, et c'est sans me moquer, j'ai beaucoup de respect pour les cultures d'Afrique qui sont passionnantes et surtout quand on fait de l'ethnologie, c'est une révélation extraordinaire. On comprend des choses qu'on ne comprenait pas, ils ont une logique. Que nous n'avons pas ou que nous avons perdu au profit d'une certaine forme de prétention et d'arrogance de la culture. Mais les cultures zoulous, par exemple, étaient bien plus développées que les nôtres, avant même que nous soyons civilisés. Mais ça, il faut s'informer, il faut s'enseigner, il faut se cultiver un tout petit peu, c'est le minimum. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors actuellement, alors j'ai mon ami Dominique Kern qui publie des choses toujours très très intéressantes. Alors si je mets pas toujours des petits plus ou des, il faut qu'il sache que je suis avec assiduité son mur et il a beaucoup beaucoup de réflexions très intéressantes sur tous les domaines et il a publié un article extrêmement révélateur. De l'analyse des Chinois de l'attaque du 14-15 avril contre la Syrie par les petits Bokassa et par les Anglais britanniques et par les Américains et États-Unis, présentement. Et quelque part, les Français étaient très très fiers d'avoir attaqué la Syrie, alors que nous, on a plutôt honte, nous les citoyens, et je le dis au peuple syrien. Nous sommes, nous, citoyens français, à 90%, si ce n'est pas à 98%, avec le peuple syrien, du moins je le pense en mon âme et conscience. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique menée et par François Hollande et par Emmanuel Macron en Syrie, qui est une action menée contre un pays allié à l'origine. Et on en a fait un pays ennemi sans aucune raison, et on a osé le bombarder. Et là-dessus, je m'insurge en tant que citoyen, et je ne reconnais pas, en toute sincérité, le gouvernement actuel digne de notre nation. Et je ne reconnais pas ses lois, et je ne reconnais pas son attitude agressive envers le peuple de notre pays, ainsi qu'envers le peuple syrien. Voilà. Alors, ceci étant dit, dans l'analyse des Chinois, il se trouve, et ça, évidemment, les petits Bokassa, c'est bien gardé de vous révéler la vérité absolue, c'est qu'en fait, les obus ou les missiles français qui ont été envoyés des corvettes de guerre françaises, eh ben, elles ont touché aucune cible. Ah, ça, on est très très fort. Mais alors, très fort. Les missiles et les Scuds britanniques touchaient aucune cible. Et les missiles et les Scuds américains touchaient aucune cible. Il paraît même que les missiles, ils sont partis dans les airs, tous azimuts, comme ça, et ça n'a explosé comme ça. Donc, si nous étions en guerre, enfin, inquiets, pardon, pour une troisième guerre mondiale, je crois que c'est raté, il n'y en aura pas. Pourquoi?
Pourquoi? Eh bien, parce qu'il semble que les Russes, et ça nous le savions, et c'est mon ami Louis de Gendardois qui me l'avait appris il y a plus de 6 mois. Alors lui, en géopolitique, il est très très fort. Très très fort. Louis de Gendardois. Lisez ses articles en géopolitique. Vous pouvez être contre, c'est pas grave, mais lisez-les parce que ça peut vous permettre de comprendre différemment ce qui se passe vraiment. Et il semblerait que les Russes possèdent des brouilleurs électromagnétiques qui paralysent toutes les armes ennemies. Et c'est ce qui s'est passé les 14 et 15 avril 2018. Comme quoi, on n'en a pas beaucoup dans la culotte et nos scientifiques sont pas très à la hauteur, en tous les cas en Occident. Alors, pour notre président, il s'est fait. Il y a quand même eu des manifestations contre le président français aux États-Unis. Alors, il faut dire que lui, il parle très bien l'anglais. Alors, ça nous change parce que l'autre, l'ancien, là, il parlait pas un mot. C'est une honte. C'est une honte parce que quand vous cherchez du boulot aujourd'hui, non, mais c'est vraiment des enfoirés, tous ces gens-là. Hein. Quand vous cherchez du boulot, on vous demande bac plus 4, plus 5, plus 6, combien vous parlez de langue et tout ça. Et puis alors, quand vous parlez 3 langues, vous avez bac plus 5, on vous dit, ok, d'accord, on vous prend, mais c'est juste pour nettoyer les chiottes. Ah, c'est tout. C'est juste pour nettoyer les chiottes. Et qu'est-ce qu'il faut pour un boulot, un bureau? Ah là, c'est un stage sous le bureau, ça marche très bien. Ah bon? Ah ben, je préfère nettoyer les chiottes avec une brosse à dents. Donc c'est un petit peu ça. Et notre président s'est fait chahuter aux États-Unis. Et il y a un jeune homme qui lui a demandé, et pourquoi est-ce que vous brisez les grèves dans votre pays? Et alors lui, il a répondu, mais avec une arrogance. Mais très bien, hein, du tac au tac. Ce qui montre il a vraiment fait partie des Young Leaders. Il est parti aux États-Unis, il a été formé aux États-Unis pour être le petit chien des États-Unis. Ben oui, le... Alors il a répondu au jeune garçon. En français. Eh bien, c'est parce que je brise les grèves, parce que les grèves s'opposent à mes réformes. À mes réformes. Il s'oppose à ses réformes. C'est lui qui en a décidé. Non, non, c'est pas lui qui en a décidé. Il n'en a rien décidé, lui, rien du tout. Et après, il dit au jeune homme, mais si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous faire élire président, puis vous prendrez ma place. Hey, président, moi, si tu veux, je prends ta place quand tu veux. Je t'assure que je vais faire le ménage. Ah ça, on va faire le ménage, hein. Mais partout, partout. Alors hier, qu'est-ce que j'ai vu? Parce que ça, c'est un sans-filet, ben c'est pas possible, il y a tellement d'informations. On terminera en apothéose. Avec Loulou, t'en as bien rigolé. Tis-toi. Alors, hier, j'ai vu une vidéo, mais alors, c'était effrayant, des jeunes qui filmaient et il y avait un CRS. Alors, Robocop, évidemment, visière et tout. Et le type faisait bien comprendre qu'il fallait pas le filmer. Et ce qu'il disait, le CRS, qui est employé par l'État français, qui est rémunéré par nos impôts, les chouchous, par nos chouchous, et le mec, il disait, mais droit dans les yeux, je vais te cramer. Je vais te cramer. Tu vas voir, je vais te cramer. Il disait rien d'autre, il disait, je vais te cramer. Je vous assure, c'est effrayant. Et le petit jeune qui filmait, il dit, mais attendez, mais d'après la loi X, Y, Z, moi, j'ai le droit de vous filmer. Je vais te cramer, tu vas voir, oui, je vais te cramer. Du genre, le gros cannibale qui dit, je vais te bouffer. Je vais te bouffer par les yeux d'abord et je vais te bouffer tout cru. Vous connaissez la blague de Toto qui dit, qui dit à son père, papa, regarde, comme elle est belle, celle-là. On la ramène à la maison, on la prend et on la bouffe. Et le père qui lui dit, tais-toi imbécile, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère. C'est pas des blagues racistes, c'est des blagues qu'on a sorties pendant 25 ans, je vous assure. C'est pas du tout. C'est des blagues comiques qu'on a jouées sur scène, enfin c'était. De toute façon, mes frères africains savent que.
que je ne suis pas un raciste, et ils le savent à tel point que j'ai envoyé mes livres gratuitement au Ghana, pour les donner à ce peuple, pour qu'il soit informé sur la vaccination. Alors, hein, il faut pas me raconter d'histoire. Ou chercher des choses qui ne sont pas vraies. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les services secrets anglais savent très bien qu'il n'y a jamais eu de bombes chimiques chez Bachar el-Assad. Alors, maintenant, j'ai trouvé un document qui nous a fait hurler de rire avec Louloute. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais pourtant, ça m'a l'air assez vrai. Sur Five News en Californie, c'est pour vous, mesdames. Enfin, je bois un coup pour me rincer le gosier, vous comprendrez. Ah, ça fait du bien d'avoir le goût de l'eau, là, c'est. Alors, sur Five News, McDonald's worker admits ejaculating in Big Mac secret sauce for 2 years. Alors, traduire ça en français, s'il vous plaît. Un employé d'un McDonald's admet avoir éjaculé. Oui, il a éjaculé dans la sauce secrète des Big Mac, et cela pendant 2 ans. Alors, on voit la photo du mec. On dirait Bozo le clown sans le maquillage, à faire peur. Et alors, il faut l'imaginer en train de se palucher pour sortir sa petite quantité de sperme, et il va aller la verser dans le bac à sauce, puis après, on va saucer les hamburgers. Ah, je vous assure, hein, ça se passe comme ça chez McDonald's. Alors, évidemment, l'employé est aujourd'hui en état d'arrestation après avoir admis éjaculer dans plusieurs centaines de lots des sauces secrètes. Vous comprenez pourquoi McDo les a appelées sauces secrètes? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça depuis 2014. C'était en 2016, bien sûr. Alors, le branleur fou s'appelle Evan Thomas, 26 ans, et qui avait été malgré tout un employé absolument exceptionnel. Un comme ça, il n'y en avait pas deux. Excusez-moi, tais-toi, Loulou, tais-toi. Et en plus, le type, il a eu le titre d'employé du mois 5 fois, à 5 reprises. Le mec, il a son titre, et je suis l'employé du mois, et puis il va se branler dans les chiottes. Il va dire, attends, je prends un gobelet de café, je reviens. Donc, le super champion d'employé exceptionnel, selon le gestionnaire et ses collègues, comme quoi le manager, il avait vraiment l'œil sur ses employés, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans un fast-food, c'était un fast-food français, bah, c'était pas mieux, hein. Mais si vous voulez, chez McDonald's, normalement, il y avait un manager pour 4 à 5 personnes. Ça veut dire que le manager, il est censé surveiller mais tous les gestes des employés, et les employés sont toujours en mouvement. Alors, un employé qui part avec un gobelet pour aller se palucher dans les toilettes, ça devrait être suspect immédiatement. Ça veut donc dire que le manager en question, il n'est pas très à la hauteur. Il n'est pas très à la hauteur. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de complicité là-dedans, parce que. Alors, lorsque la communauté, donc des consommateurs de la sauce secrète, mesdames, c'est pour vous ou messieurs, selon, hein, chacun son orientation sexuelle, moi ça ne me regarde pas, vous faites ce que vous voulez, les goûts et les saveurs sont dans la nature.
Chacun sa... Non, chacun son... Bah, voilà. Et un témoin, Lily Rodriguez. Ah, la petite Lily, on la connaît bien. C'est une gourmande. Je suis allée manger dans ce McDonald's depuis que je suis enfant. Comme quoi, on commence jamais trop tôt, hein, Lily? Excusez-moi, c'est très machiste. Excusez-moi, mais c'est trop drôle. Je prends un Big Mac au moins 3 fois par semaine. Oh, gourmande. Et Thomas était toujours aussi agréable avec moi. Il m'a demandé de sortir quelquefois avec lui et j'ai presque dit oui. Mais enfin, je suis si heureuse que je ne suis jamais sortie avec ce monstre. Dire que je suis allée manger son sperme, oh mon Dieu, je crois que je vais vomir. Bon, il faut dire qu'en matière de présentation, il a été peut-être un peu vite en besogne, Thomas. Attends, je vais t'offrir un Big Mac, moi. Je n'en peux plus. Plusieurs des clients disent qu'ils envisagent une poursuite au pénal, un recours collectif, mais pour le moment, rien n'a été déposé en dehors du sperme dans les sauces. Thomas a été pris la main dans le sac. C'est le cas de le dire. Alors, Thomas a été pris la main dans le sac par un autre employé. Peut-être étaient-ils deux. Et quand il est sorti des toilettes avec une tasse et qu'il a été vu ajouter à la sauce secrète le contenu de cette tasse, alors l'employé qui l'avait espionné a été le dénoncer. Regarde, patron, Thomas. Il a versé dans la sauce ultra secrète quelque chose d'encore plus secret. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont été faire un prélèvement dans la sauce et ils ont fait une analyse et ils ont appelé la police. Alors, lorsque Thomas a été confronté au résultat du labo, on a trouvé un ingrédient secret dans la sauce secrète des Big Mac. Il a admis que, en effet, ça faisait 2 ans, bah, qu'il changeait la recette. Et puis il a fait ça tous les jours, hein. Et puis avec bonheur, il était très vaillant, il aimait bien, et comme il voulait sortir avec Lily Rodriguez, eh ben il en remettait une couche. Ah bah oui, Thomas, il était très fort, hein. Ah oui, ça on peut dire Evan Thomas, il est champion du monde, hein. Champion du monde de la sauce blanche secrète pour Big Mac. Alors, il y a quand même plus de 3 000 personnes qui ont subi des examens de santé. Concernés, bah, qui sont concernés par l'empoisonnement au sperme de la sauce secrète. Alors, Thomas s'est quand même livré à un test de dépistage, mais le pauvre, vu sa tête, il devait être sacrément en manque parce qu'il risquait pas d'attraper une maladie vénérienne. Bref, il n'est pas malade. Les gens risquent pas. Alors, on avait lu un autre article avec Louloute qui était très drôle, mais il est contesté, selon lequel, mais ça c'est contesté, il semblerait. Celui-là, non. Selon lequel, il y aurait un autre Evan Thomas, un autre éjaculateur fou, qui aurait mis encore dans sa fameuse, dans la fameuse sauce secrète, il aurait aussi rajouté sa semence secrète. Et la demoiselle, en fait, elle a reconnu au goût que la mayonnaise, c'était pas la même. Enfin, si, c'était la même que son mari lui offrait une fois de temps en temps pour lui faire plaisir. Comme c'était déclaré. Et qu'elle trouvait ça bizarre quand même que dans sa viande, un goût
de déjà vu. Remarquez, quand les hommes se lavent pas, ça doit sentir le steak. Alors le steak à la mayonnaise, ça va très bien avec. Bon, tout ça pour vous dire que parfois, il faut rigoler, vraiment, même si c'est indécent. Faut rigoler et ça mettra un terme à notre relation et à notre sauce secrète. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais que c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Salut!